Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Nouvel épisode de Far Cry 4, le 19ème épisode. Après avoir libéré justement cet aéroport dans le dernier épisode, on a fait la rencontre d'un sacré personnage, Willis. Et on va en apprendre probablement plus sur la disparition de notre père. On va aller voir directement Willis qui est dans l'avion visiblement. Voilà, il est là-dedans, il m'attend tout sagement. Il est là, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. N'oubliez pas, le pouce bleu les amis, cet épisode va être incroyable, je le sens. Les souvenirs reviennent. Tout ça, ça sert à rien. T'as oublié que t'étais américain? On frappe avant d'entrer. Où est le journal original? Je te l'ai dit, plus tu bosseras pour moi et plus je t'en dirai sur ce que t'as entre les mains. Allez. Monte, je vais te donner un avant-goût. Considère ça comme un à-compte. Très bien, je vous écoute. Le jour où j'ai recruté ton père, c'était devant une bouteille de scotch dans un bouche sordide à Tirta. Il bossait encore pour Pagan Min à l'époque, les yeux tout humides et brillants. Quand Min a buté l'héritier du trône du Kirat, ça a chié des bulles, mon pote. Façon de parler, bien sûr. Quoi? Non, je vous entends plus du tout. Ne mille pas, ce sera dans le document que je te donnerai quand t'auras fini ce boulot. Ta mère a fait le pirate, c'était chaud dehors. D'après ce qu'on m'a dit, Yuma était mêlé à ça. Si tu veux des réponses, tu dois suivre sa piste. Qu'est-ce que vous savez sur elle? C'est le commandant second de Pagan Min. Elle est venue avec lui de Hong Kong. Elle a de la triade dans son yin-yang. Tu sais ce que c'est, le yin-yang? Bien sûr que tu sais. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? On va s'en prendre à un des sites de Yuma et à l'homme qui dirige. Descends-le. Et on pourra faire à Yuma tout ce qu'on veut. Allez, de retour à l'Himalaya, les amis. Purée, quel enfer. Vous savez que j'aime pas trop l'Himalaya. Quoique, là, il n'y a pas la notion de... Ah, c'est bon, il n'y a pas besoin de respirateur. Par contre, tu veux pas venir avec moi, toi, salaud? Trouver et tuer le lieutenant de Yuma. Donc là, vous voyez, si j'ouvre la map, eh bien, nous sommes carrément en dehors de la map. Et c'est ce que je vous expliquais au début de l'aventure. Ça, ce qui est génial sur ce jeu, c'est qu'on sort carrément de la map. J'adore l'ambiance, mais ça m'angoisse, l'Himalaya. Je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Mais s'il n'y a pas besoin de respirer, ça va. Là, visiblement, il n'y a pas besoin de respirer. On n'est pas encore très très haut, donc ça va. Mais s'il y a besoin de respirer, c'est très très chiant. Vraiment. Là, vous avez vu, je peux plus remonter, hein, si jamais. Je préfère vérifier. Voilà, je peux plus remonter, ça c'est fait, c'est dit. C'est pesé, c'est remballé. Allez les amis, maximum d'encouragement. Vérifions s'il n'y a pas des animaux spéciaux aussi. Faut en profiter, des animaux qui ne sont pas sur la carte originale. Pourquoi? Parce que j'ai fait un petit tour rapidement dans les confections, vous voyez, kit de seringue, peau de tigre, céleste. Moi je pense que céleste, vous voyez, c'est quelque chose qu'on... Ah peut-être dans Shangri-La. Peut-être dans Shangri-La, ouais. Mais voilà, ce genre d'animaux, peau de léopard des ombres. Ça, c'est des trucs qu'on trouvera jamais sur la map originale. Qu'est-ce que cette forteresse là? Bon, ça va partir en couille, hein. Ça va partir en cacahuète. Il a voulu me charger là, j'ai pas rêvé, non? J'arrive pas à savoir. Non, c'est bon. Non, parce que ce serait dommage qu'on m'attaque. Oh, j'aime ce qui se passe. Attendez. Est-ce que vous pensez... Attendez. Non, attendez, je vais peut-être pas faire ce que je voulais faire. Oui, c'est peut-être pas une bonne idée. Là, je pense que la visibilité des ennemis n'est pas... Oh putain. Ok. Ok. Bon, je suis dans la... Oh purée. Il y a un hélicoptère et tout. Oh là là. Mais est-ce que je suis censé les alerter ou pas? Non, bah non. Bon, je peux garder cette arme déjà. Allez, on essaye, hein. Voilà, super. J'ai eu chaud au kiki. J'ai eu chaud au kiki. Si je peux éviter d'alerter tout le monde, ce serait pas mal, hein. Et puis c'est quand même plus stylé. Alors l'hélicoptère là, il va me faire du sale là si je monte. Ah c'est bon, il se barre. Très bien. Ça me plaît. S'il revient pas. Hop. Bah écoutez, ça se passe.
ça se passe. Oh putain. Ok. Bon, ça va. J'espère juste qu'il y a personne à côté de lui. Ah. C'est gênant ça. Cette nouvelle protection est beaucoup plus légère que l'ancienne. Alors attends, bouge pas. Ah. Bon bah, je l'ai dans l'os. Échec de mission imminent. Échec de mission imminente. Un plaisir. Un plaisir. Allez, venez voir. Venez voir. Bah alors, on n'a pas de couilles. On n'a pas de couilles. Ok. Si si. Ah mais je l'ai exécuté. C'était lui le chef. Aïe. Je suis mort. Willis, j'ai tué le lieutenant de Yuma. Aïe. Comment je peux savoir si c'est le bon ou pas? Tu prends une photo de ton cadavre et tu me l'envoies. Oui bah attends. Voilà. Fous-moi la paix, ouais. Hop. Yuma. Ah bah à mon avis c'est pas lui. Ça me paraît trop simple. Raté gamin, c'est pas le bon gars. Celui que tu cherches, il supervise les fouilles archéologiques de Yuma. Je vais te dire, t'as qu'à buter tous les mecs du coin qui ont l'air d'avoir des jobs plus importants que laveur de chiottes ou nettoyeur de vaisselle. Y a rien de plus américain que de tous les tuer et de laisser Dieu reconnaître les siens. Et appelle-moi quand ce sera fait. Bon, y a pas besoin d'être discret, hein. Au final. Au final, on peut y aller bourrin. Mais j'aime bien faire ça un peu le plus discrètement possible, c'est rigolo quoi. Enfin, c'est propre quoi. Et c'est con que je me suis fait cramer comme une merde avant. Tais-toi. Bon bah voilà. Bon, ce qui est bien c'est que la MP5, elle est... j'ai vraiment fait le bon choix d'arme. Hein. Elle est peut-être moins puissante mais au moins il y a un silencieux dessus. Et en vrai la portée est pas dégueu hein. La portée est pas dégueu, un petit headshot et puis ça repart quoi. Qu'est-ce qu'il veut lui? Allez, on continue notre ascension. On continue l'épopée. Hop. J'aime ce qui se passe. Vous voyez, là c'est ma phase préférée pour le moment à l'Himalaya. Parce que les autres phases où on était sur l'Himalaya, je crois qu'on y était qu'une fois hein, jusqu'à présent. Une fois ou deux. Là c'est soit la deuxième, soit la troisième. Mais bon, jusqu'à présent c'est ma préférée parce que c'était une galère les autres. Là au moins... c'est un petit peu plus sympa pour le moment hein. Attention parce que ça risque de se compliquer. Puis on va monter en hauteur etc. C'est une vraie forteresse le bordel. C'est une vraie forteresse le bordel. Allez. Identifier le lieutenant de Yuma. Pas de problème. Pas de problème mine général. Pourquoi il veut pas me le... ah, sniper, sympa ça. Alors je peux passer par là peut-être. Bonne idée. Bonne idée de contourner ça. Eh. Eh. Ils ont mal réfléchi quand même hein. Parce que là mon pote. Ah ouais, infiltration totale. Infiltration totale. Allô? Mais en plus il y a personne ici, c'est incroyable. Ah voilà. Ça me paraissait trop simple. Bon déjà le Yuma, là le lieutenant de Yuma, il est forcément caché à l'intérieur et ça va partir en cacahuète. Donc on va éviter de gâcher des munitions si vous voulez mon avis. Voilà, je préfère vous le dire, on va éviter de gâcher les munitions. Parce qu'à mon avis, il va y avoir des belles séquences de tir. Eh, hey, je t'ai pas vu toi. Mon petit cochon là. Bon si je bute le sniper. Yes. Yes, yes, yes. Oh, ce jeu de merde. T'as rien du tout, toi. Allez, je vais repasser par derrière. Ah. C'est pas comme ça que j'imaginais. Y'a un hélicoptère qui arrive, là. Non, c'est bon. Alors, attendez. Déjà, ils savent pas où je suis, c'est pas mal.
Ok. Vas-y, viens sur moi, toi. Voilà. Y'a un hélicoptère, hein. Voilà. Y'a plus d'hélicoptère. Déjà, ça, c'est un fait. Je préfère vous le dire. Qu'est-ce que tous ces bruits là? Ok. Ok, y'a un sniper, il est pas content. Alors déjà je vais m'occuper de lui là. Oh merde. Oh non, c'est pas vrai. Déjà c'est à cause de lui que j'ai foiré. Oh non, c'est pas vrai. Quelle angoisse. Bon, comment je fais pour monter là? On peut monter au moins? Ça y est, je panique. Bon, attends, le sniper est sorti de sa cachette. Hop, hop, hop. Allez, bon courage pour me tirer dessus, mon ref. Hein? Tu l'as pas vu venir, celle-là? Adieu, mon pote. Incroyable. J'aime ce jeu. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous? Eh, hey, regarde, allez, Blaze. Oh, j'ai une idée de zinzin. Attendez. Attendez. Attendez, parce que là il y a un truc qui me plaît. Tu l'as vu? Je te parle bien de ça. Allez, salut! Ils sont où les copains? Vous êtes où les copains? Ils sont là. Hop, ça dégage. Hop! Ensuite! À qui le tour? Incroyable. Qu'est-ce qu'il veut lui? Là. Ici, là. Hop! Alors attends, parce que là je me suis mis dans la sauce. Ok, fouiller le lieutenant de Yuma. Ah ok, il est mort. J'ai tué le lieutenant, mince. J'ai pas pu faire ça comme je voulais. Alors attendez, on va passer par là. Ennemi en dessous. Mais non, c'est pas vrai, je suis au-dessus, regardez. Eh les copains, vous êtes où? Ah, vous êtes planqués. Vous êtes planqué là-haut. Voilà. Vas-y, baise-moi. Wouhou, le 3-6. Bon, le corps. Eh, excusez-moi, là, je parle plus. Je suis à fond dans l'action. J'espère vous kiffer. Attendez, il faut que je descende sécurisamment parce que si je me casse la binette, ce serait un peu dommage. Ok, ça se passe ici. Hop. Et voilà, toc. J'ai trouvé une clé sur un des cadavres. Attendez, une autorisation de sécurité niveau 3 est requise pour accéder au site. Ok. Appelle-moi quand le commandant sera mort. Allez. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Trouver un moyen de sortir de la grotte. Allez, let's go. On va pénétrer la grotte. Moi j'adore pénétrer finalement les grottes. On a 200 mètres à marcher dans la grotte, incroyable. Ils en ont après moi. Je vais devoir m'éclipser. Quoi? Ah, attendez, comment je fais moi pour sortir de là? Bon courage mon pousselin, je reviendrai quand tu voudras décoller. Ah! Bon, tant qu'ils sont pas en alerte, eux, c'est l'essentiel. Parce que là, y a un mastodonte là. Hein. Alors, après, ça peut être vite réglé. Ça peut être vite réglé. Après, je suis pas obligé de me les faire. Hein. En vrai. Je suis clairement pas obligé de me les faire. Il y en a un là-haut. Ah, oh, il veut pas me le scanner, le salaud. Voilà. Ouais, remballer, ouais. Ok. Je suis pas obligé de me les faire. Qu'est-ce qui leur arrive là? Oh, ils ont rien vu. Je suis un monstre. Oh, je suis un beau gosse. Eh, hey, attendez, ce qui se passe est incroyable. Le masto, il y a moyen que je l'évite. Il y a grave moyen que je l'évite. Ou pas. Ou pas.
Attendez. S'il voit pas les cadavres. Ok. Ah bah il a vu les cadavres. Ok, il reste plus que le masto, je crois. Merde. Il reste plus que le masto. Moi je me barre. Salut mon pote. Eh, la mort vient du ciel. On va passer par la droite. Ok. Ok, toi je t'ai vu, encore un masto je crois. Ok. Eh, y a moyen d'éviter le... Parfait. Ok, magnifique. Excusez-moi, hein, je suis concentré encore une fois. Ok. Eh, j'ai évité, je crois, deux mastodontes. On est sur Sons of the Forest ou c'est comment là? Ok, 40 mètres. On y arrive là. On y arrive. Trouver et tuer le lieutenant de Yuma. Ah, je me disais bien que c'est pas fini. Mais déjà, au moins, on a bien avancé. Quel enfer! Trouver et tuer le lieutenant de Yuma. Deux snipers. Là, lui, il veut pas me le scanner. Si c'est bon, ensuite, ok. Ah, salut toi. Ils ont l'air d'être que 4, mais vous vous doutez bien qu'il n'y en a pas que 4. Oh, incroyable. J'ai envie d'abandonner, de me barrer. Et je crois qu'il y a un, j'ai un souvenir. Oh. Attendez, j'ai entendu. Ah, ah. Eh, ils sont bien camouflés, les salauds, hein. Alors, je sais pas par quoi commencer. Les snipers au fond. Non, ce serait débile, en vrai de vrai, non. Non, ce serait pas débile. Déjà, lui, il verrait pas. Mais non, il y a personne, là, de toute façon. En fait, il faudrait que j'arrive à tuer le sniper le plus loin. Ou alors... Oui, tout à fait. C'est jouable. Ah, c'est jouable, mais pas trop. Oh putain. Un train peut en cacher un autre. Et voilà. Bah, je suis mort, hein. Bah en plus il meurt pas frère, non mais c'est quoi cette histoire? Bah je suis mort. Je suis mort. Allez salut. Attendez, c'est pas grave, c'est pas fini. Ah c'est dommage hein. Sniper mort. Alors toi. Vas-y recharge vite toi. Ok. Bon, tant que ça me vient pas par derrière, moi ça me va. Non mais frère, mais tu vas mourir. Meurs. L'enchaînement était pas mal en vrai, non? Enfin moi j'ai kiffé hein. Ok, il me reste quand même 4 seringues, donc faisons gaffe à ça. Viens voir, faut que j'économise mes balles. Dommage. Ah, on essaie de faire des jolis trucs, hein. Si déjà. Arrête. Voilà. Déjà, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, attendez. Viens voir, toi. Voilà. Hop, toi, tu fermes ta gueule déjà. Voilà, allez, hop, fermez tous vos gueules. Des munitions. Ah, un sniper. Oh putain. Ok, c'est pire qu'un sniper. Alors, les copains. Ah, ça c'est gênant. Ça c'est très gênant. Ok, touché.
couler. Allez, suce. Là j'avais un rocket si jamais. Moi je vais pas prendre le pont. On va plutôt contourner. Il y aurait eu moyen de faire ça autrement je pense. Mais bon, je suis en PGM donc bon, voilà. Les PGM on peut faire ça comme on veut hein. Je rigole les gars. Je rigole, il y a des munitions un peu partout. Donc ça c'est vraiment chouette. Je pense qu'il y avait vraiment eu moyen de faire. Enfin en fait le jeu peut se faire furtivement à fond les ballons normalement hein. Mais voilà hein, faut que je descende là hein. Hop. Hop. Attendez parce que là il y a des trucs. Et moi quand je vois des trucs. Ah bah vous me connaissez hein. Puis en plus il y a du soin et tout. Voilà, je crois que j'ai récupéré une seringue, je suis pas sûr. On dirait bien. Allez, ça part. Ça part. C'est toujours pas fini. Éliminer le lieutenant et ses gardes. Ok, ils sont totalement à ma recherche. Attendez, mais je vois même pas les mecs qui me voient là. Ah, je l'avais pas vu. Il est là le lieutenant. Ah d'accord. Ça rien que je me cache. Tenez, c'est cadeau. Là normalement tout le monde est mort, non? Touché. Allez, venez les loulous là. Bon, lui il aura pas fait long feu. Ah! C'est un peu gênant ça aussi. Ah. Oh! Oh, je l'ai défoncé. Lui aussi. Je sais pas si vous les voyez bien parce que moi j'ai un œil de faucon, je crois. Allez hop. Oh, il a pris la mitrailleuse. On est pas bon du tout là. Mort. Oh non. Oh, la grenade, je l'ai senti passer hein. Alors attends, toi la mitrailleuse mec. Dommage. Ah là là. American Sniper. Eh frère, calme-toi. Non, je rigole pas mon frère. Attendez. Déjà j'ai découvert que je pouvais zoomer. Et ça c'est incroyable. Il en reste plus qu'un en plus hein. Mais voilà, allez hop. Allez. Allez tous vous faire foutre. Je suis sous pression. Une seconde. Tu l'as eu? Ouais, ouais, je l'ai eu. Bien. Je viendrai te chercher dès que j'aurai mangé mon petit déjeuner. T'imagines même pas la galère pour trouver du bacon dans le coin. Terminé. Eh ben c'est bon, il nous a sauvés. Merci d'avoir choisi Willis Airlines, mon poussin. Dès que je trouve quelque chose d'intéressant sur Yuma, je te recontacte. Incroyable, tuer ou être tué, mission terminée. On n'a toujours pas plus appris quoi que ce soit par rapport à notre père, hein, du coup, l'assassinat. On peut retourner voir Willis justement, le but du jeu, donc c'est ça, vous l'aurez compris. Plus on va faire des missions pour Willis, plus on en saura sur notre daron. Les missions Sentier d'Or, ça va être justement en rapport avec... En fait, c'est ça, Yogi et Reggie, on en apprend un peu plus sur la mère, si je dis pas trop de conneries. Après, ça dépend évidemment, lui c'est plutôt le père... Mission Sentier d'Or, bah, c'est l'état de l'île de manière générale. Bref, plein de choses. Attendez, il y a un convoi à détruire là, vous le voyez là? Est-ce que vous voyez ce convoi là? Alors attendez, il va à droite ou à gauche? Il va à droite. Ça sent la connerie ça. Ah, j'ai déployé trop vite je crois. Ah, oh, bah, ça fait beaucoup de monde là quand même. Stop. Attends, attends, c'est lui que je voulais moi. Voilà. Ça c'est fait. Bon, mais si vous voulez ma peau, c'est pareil hein les gars. Un petit conseil.
est Jay. La prochaine fois que tu veux te faire inciser quelque chose, passe par un professionnel. Même s'ils font un peu peur par ici. Tu sais qu'à cause de ta mère, j'ai parrainé une classe entière d'élèves pour aller étudier la médecine à Singapour. Et ils ne sont jamais revenus. Te rends-tu compte de l'ingratitude? Paul s'est occupé de leur famille, ici, au Kirat, et j'ai envoyé mes contacts à Singapour pour les trouver et les récompenser de la manière la plus appropriée. Ah, on s'est bien amusé. Mais voilà, maintenant je me retrouve à m'auto-arracher mon propre furoncle. Gary! Apporte-moi la gaz et l'antiseptique! Putain de merde! Bah, je croyais qu'il était en pleine forme, le Pagan. Incroyable. Alors attendez juste, il y a une nouvelle arme spéciale qui a été débloquée, donc on va juste se TP. Ah bah, on est juste à côté de la mission Sentier d'Or, mais on s'en fout. On va juste se TP rapidement à un avant-poste là, juste pour voir c'est quoi cette arme spéciale. Ça se trouve c'est un truc absolument éclaté au sol qui ne va pas nous intéresser. Dard, acheter arme spéciale. Bah de toute façon j'ai pas assez. Qu'est-ce que ce truc? C'est une sorte de, oui bah c'est une sorte de pistolet. De pistolet peut-être semi-automatique, arme de poing, mitraillette. D'accord, ok, bon écoutez, c'est vrai que en fait notre bah, on est plutôt pas mal en fait en termes d'armes. Je veux dire voilà, on est plutôt plutôt cool. Attendez, je peux quand même acheter quelque chose. Des seringues. Le gilet pare-balles. Amélioration de mercenaire. Hop. Vos jetons de mercenaire vous permettront de faire appel à un rebelle aguerri et lourdement armé. Oh, on en a encore pas fait appel, mais ça va nous aider quand on en aura besoin. Très bien. Eh bien les amis, c'est là-dessus qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode qui j'espère vous a plu parce qu'il aura été assez intense. Pour être très honnête, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir encore une fois et voilà, il faut toujours croire évidemment en ses rêves. Ouais d'accord, c'est bien, vos petites missions secondaires, je m'en fiche un peu. Les amis, comme d'hab, à chaque fin d'épisode, le soleil se couche, c'est quand même formidable. J'ai entendu le bruit d'un loup-garou, un peu bizarre hein. Moi je vais peut-être rester en sécurité. Allez, n'oubliez pas le like ou le dislike, le commentaire et l'abonnement. Et on se retrouve demain 16h pour la suite de l'aventure. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.